Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Jackie Crostiche. Aujourd'hui, petite vidéo partenariat avec la boutique Pensomwe. Donc, c'est un partenariat, c'est mon cinquième partenariat avec cette boutique et j'avais eu 15$ d'accordé. Alors, j'ai pris du point de croix et j'ai pris un seul point de croix, vous verrez pourquoi. Alors, voici en fait le kit à l'intérieur de ce point de croix. C'est un 9CT que j'ai pris et dedans, j'ai un petit kit avec un enfil-fil, les aiguilles et le petit truc rond là que je ne me sers pas. Et le personnage dessus, ce sont des dalmatiens apparemment. Si on voit bien, voilà. Donc la petite feuille explicative, je mets à l'endroit, comment on fait du point de croix, hein, qui est pratiquement dans tous les kits maintenant. Je vais vous montrer le point de croix que j'ai choisi. Alors franchement, la feuille de route, enfin le patron est incroyable. Incroyable, voilà. Je vais essayer de vous mettre un petit peu mieux. Je sais pas si vous allez bien voir. Alors, je vais vous monter un peu. Voilà, donc c'est Alice. Alice au Pays des Merveilles. Alors, en fait, au départ, c'était pas Alice que je voulais, c'était Blanche-Neige. Mais bon, j'ai dû me tromper dans le lien, c'est pas grave. Mais Alice, elle est vraiment très, très, très sympa, très jolie. 155 par 155 points, donc c'est du 9CT, hein, 50 par 50 cm, vous voyez c'est quand même plutôt pas mal bloc dans l'ensemble. Voilà, donc là c'est écrit Alice, mais en je sais pas quelle langue, donc voilà. Et l'image elle-même, la voici. Avec les petites cartes qui vont en haut, le petit flot dans les cheveux, la petite tasse, voilà. Donc voici donc cette petite Alice, trop sympatoche. Donc elle a 40 couleurs. Alors, les fils sont là. Je ne vais pas tout vous ouvrir parce que je vais les garder comme ça. Parce que je ne vais pas le faire de suite. Donc vous voyez un peu les couleurs. Vous avez du blanc, vous avez du bleu vert, vous avez du rouge, vous avez enfin, vraiment les couleurs assez sympas, pas mal pétantes aussi, voilà. Les couleurs de Alice. Oh, je veux quand même. Je voulais pas l'ouvrir, mais je le fais quand même. Ah, j'ai quand même ouvert. En fait, on a quand même pas mal. Voilà. Au niveau des couleurs, pas mal de blanc. Alors, le blanc, je pense que c'est le numéro 40. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que je fais le tour? C'est toujours la question que je me pose à chaque fois. Je pense pas que je vais faire le tour. Quoique. Je sais pas. Je vais peut-être faire le tour quand même. Je vais peut-être faire le tour. Voilà. Ensuite, nous avons le jaune, c'est du 3821 qui correspond 3821 à toute la chevelure de Alice en fait. C'est tout le blond d'Alice qui est là ici. Vous en avez également ici, assez sympatoche. Et nous avons le 598 qui correspond au jaune, bah, tout au jaune qui est ici. Voilà, qui est partout, tout autour de la toile, si je vais quand même faire le tour. Alors ensuite, les couleurs, les glas, hop. Alors, je crois que je dois avoir deux barquettes. Oui, c'est ça, j'ai deux barquettes. Donc, assez sympa quand même les couleurs. Et la deuxième, la première barquette, la plus grosse, beaucoup de rouge hein, quand même. Hein. Pas mal de vert. Alors, j'ai vu un peu la couleur, comment ça rend super bien. Pas mal de rouge, de différentes nuances de rouge. Et de l'autre côté, c'est un petit peu emmêlé, je suis désolée. Pas mal d'orange aussi. Orangé, brun, rouge, rose, du bleu. Voilà, voilà en fait pour les couleurs. Donc je suis un petit peu emmêlée. Pouf. 9CT, moi j'apprécie énormément 9CT parce que je peux broder en fait si vous voulez. Sans loupe, sans rien, et c'est très très bien pour mes yeux, très très bien pour moi. En plus, c'est une toile qui a l'air quand même pas mal bloc hein, dans l'ensemble, donc mis à part un peu là où c'est un tout petit peu confetti, mais le reste c'est quand même pas mal de bloc. Hein. Enfin, franchement, assez sympa, j'aime bien. Donc, du coup, la toile en elle-même, elle est ma petite toile, là, voilà, c'est grand hein, parce que c'est 9CT. Voilà. Et en fait, elle fait la même taille, mais même un petit peu plus petite que le patron. Bah ouais, c'est sympa ça. Voilà, donc 9CT, vous voyez vraiment bien en fait les points.
vraiment très très bien les points. Ils ont l'air bien dans les trous, ça a l'air pas mal. Voilà pour cette toile. Et non, le visage c'est du vin. Ils ont fait en quelle couleur le vin que je regarde finalement? J'aimerais bien savoir. J'ai pas regardé. Ah, ils vont le faire. Oh, il va te foncer, je trouve. C'est du vin et il y a quoi comme symbole? Du 2. C'est pas possible parce que le 2 c'est du. Alors, je regarde le patron, que je me trompe pas. J'ai du 20, j'ai de la flèche comme ça, c'est du 1, d'accord. Donc il va y avoir celui-ci dans le visage et celui-ci, les deux là finalement. Ouais, ça peut être déconnant, mais elle a quand même assez foncé au niveau du visage quand même. Ok, d'accord. Voilà, donc cette toile, elle est surjetée, ce qui est vraiment très très bien. Vous voyez, elle est surjetée, c'est parfait. Elle est un peu raide, mais bon, après, ça s'assouplit, hein. Ça s'assouplit, c'est difficile à dire. Donc voilà, donc vous avez toutes les références, hein, sur le côté, ici, avec la petite image qui est reportée, ici. Voilà pour ce produit que j'ai choisi, c'est Pensumwe, voilà, excusez-moi, j'avais un petit doute. Vraiment sympa, j'aime beaucoup. Il y a toute une collection comme ça de princesses. Et effectivement, moi je voulais Blanche-Neige. Donc peut-être que je reprendrai après. Le prix, donc j'avais 15 dollars d'accordé. Le prix était de 13,99 $, hein, 14 $. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup, beaucoup de me suivre sur ma chaîne Jackie Crostiche. Je remercie énormément la compagnie Pensumwe pour ce partenariat que j'apprécie beaucoup. Nous sommes aujourd'hui le 12 juin, mais j'avais reçu le produit le 8 juin. Voilà, et j'avais été contactée le 18 mai et confirmée le 19 mai. Donc ça a mis quand même un petit moment à arriver, hein, presque 2 semaines et demie à arriver. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye et portez-vous bien.